Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve pour un combat de Coliseum en compagnie de mon ami Edouard, alias Gulou, qui joue aujourd'hui en Eka. Salut tout le monde. Et on a en face Eka, Sacri, Kra. Voilà, moi j'ai pris mon petit Xeleni, hein, ça me permettra de me faire un combat détente où je peux travailler un petit peu mon skill sur le Xel, hein, ce qui sera pas trop mal. Alors, il faut que je mette mon initiative au dernier moment, ça c'est un petit peu chiant, mais avec un Xel c'est incontournable malheureusement. Hop. Niveau des cotes, on est. Bon, moi je suis à quoi? 4250? Voilà, 4245. Et Edouard, il est à 4300 et quelques, qui vient de reroll. Donc de changer de classe, hein, ce qui remet la cote, ce qui la réinitialise. Ensuite, je vais me faire double fuite. On va faire le flou. Le petit contre. Et un vol du temps sur mon Nenni. Je me suis fait une double fuite, j'ai dit, hein. Ouais, donc je vais. Je vais venir comme ça. Hop. Est-ce que j'ai dit bonjour? Je ne crois pas. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on va focus? On a un Kra en ivoire. Ok, on a du double ivoire en face. Le Sacri n'en a pas, mais oulala, il a beaucoup de points de vie, le Sacri, hein. Ok, ça part sur des petits dégâts directs. Bon, ça c'est pas affolant. Pour l'instant, il n'y a pas d'érosion de placée. Son retrait PA ne passe pas. Alors toi, tu te boostes. Hop, full dégâts. Tu me fais un odorat sur tout le monde, s'il te plaît. Petit odorat. Et tu peux peut-être placer ton chaton. En vrai, c'est peut-être le mieux que t'as à faire. Hein. Attends, place-toi ici. Là, hop. Hop là. Chaton qui prend le soin du chaton, mec, c'est quoi ce délire là? Complètement fumé ce truc. C'est bien, en plus il est placé où il pourra peut-être me faire un pilier pour une téléportation, on va voir s'il s'approche. Je vais essayer de ramener. Bah, je pense qu'on va partir sur le Sacri en vrai. Hein. Tu penses? Le Kra il va. Ouais. Bah, tu sais, le Sacri, ils font les malins à sacrifier les autres, mais si tu les focus, ils savent plus quoi faire. Hein. Ouais, mais le Kra, tu vois, il a pas mal de. Ah, il a un malus récrit, le Il a un Kra. malus récrit dans Ouais, 36. après il a 43% raise, hein. Ouais. Sacri a moins de raise. Ouais. Mais t'as raison, ça peut se tenter. Bon, on va voir. Là, je te booste. Hop. Je vais même pousser le chaton. Ah, il s'est fait rect, hein, ton chat. Ça peut être intéressant d'aller sur le Sacri, on va voir. Sinon, en vrai, c'est difficile à choisir le focus là. L'Eka est assez solide aussi. Bon, il a que 32% res haut. Mais il a des récris, pour toi, c'est un peu chiant. Et il a quand même pas mal de points de vie, hein. Mec, C'est ça qui le Sacri, il va monter à 9000 points de vie, gros, ça va me saouler. Bon, ah, il met tout. Comme à mon dernier colis, gros. Il met les autres en posant en terre, c'est lui que je vais ramener, je m'en fous. Bon, on va voir s'il se barre loin. Ah là, par contre, en fait, ton chaton, il va mettre au fond. Ah putain, ouais, ton chaton, il me casse les couilles. Ton chaton me met dans la merde. C'est pas grave. Je peux aller ici et ramener. Faire un retrait PA. Ouais, t'as raison, je peux faire ça. J'ai pas assez de dégâts pour tuer. Dommage. Hop, je peux aller ensuite placer une synchro par là. Le cadran là. Jamais, jamais de la vie, j'aurai le temps de jouer. Allez. Bon, il y avait un retrait à placer que j'ai pas pu placer du coup. Tant pis, faut que j'arrête de parler pendant que je joue le Xel. Du coup, c'est chiant parce qu'on a le Sacri ramené, mais on n'a pas pris le boost PA quoi. Bon, là, cela dit, tu peux l'éroder salement. Tu peux l'éroder salement. Ah bah, lui, elle a la flamiche et tue le chaton. Plus de rocks que mon Xel, hein. Ok, il pète la synchro. C'était le truc le moins utile qui était possible à faire. Bon, vas-y, bah, érode, hein. Érode et cogne. Concrètement. Oh, en vrai, faudrait que tu joues à la roulette. C'est plus drôle, on Ouais, rigole un peu. vas-y, on DB, teste. ok, il rapproche son Eka. Vas-y, go Sacri. Hein. Go Sacri, et après on verra si on part sur quelqu'un d'autre. Non, mais là, ça te pète des PA, gros, de faire ça, gros. T'avais 19, là, c'était stylé. Bon, vas-y, éclate-le. En vrai, Crab, c'est deux griffes joueuses, hein, je pense. Fais-le comme ça, c'est un bug de prévision, mais tu vas le taper. Ok. Hop. Et ouais, deux griffes Ah joueuses, à mon oui, avis, c'est pas mal. ils ont. Ouais, c'est pour ça qu'il fallait les faire avant. Ouais, vas-y, bluff. Ah, il a fait le sort où il renvoie le dégât en zone. Il fallait faire la flamiche avant. Bon, ok, c'est pas grave, ça va le faire. Bon, il a pris un peu d'héros, du coup, le Sacri, mais en vrai, putain, mais.
tellement strong ce truc, c'est tellement solide, je sais même pas qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'ils ont quand même 47 et 48 esquives sur les Roxer, donc a priori, mon Xel il va les faire un peu bégayer quoi. Mais j'ai peur des dégâts que je vais me bouffer. On va voir. Aïe. 4. Ouais, putain, il y va au deux poux, mec, je me fais éclater. Je me fais éclater. Bon, allez, on va débuff les héros. On va venir chercher les petits dégâts sur le sacri. Ah, c'est chiant, ça renvoie de dégâts, là. Bon, cela dit, ça tape un peu les cas, du coup, mais c'est pas évident à gérer, quand même. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? T'as besoin de soins, toi? Ouais, non, tu t'en passeras. Hop. On va y aller comme ça. Bah, je vais te mettre un peu à distance. Je prends que tu... Non, le Xel, je vais le pousser. Je vais venir là. Pour tacler un petit peu. Bon, c'est pas foufou. Le Xel, il faut pas qu'il crève. Hein. Okay. Il se prend des PA pour venir choper le Xelor. J'ai toujours le contre. Hein. Ah non, j'ai débuff le contre, du coup. Merde. Ça aurait été intéressant. Enfin, merde. Il fallait que je débuffe, mais... Ça aurait été bien qu'il puisse se prendre le renvoi, quoi. Mec, les sacris dans cette méta... Ouais, bah, tant pis pour le perco. Hein. Le perco. Les sacris dans cette méta, c'est quand même quelque chose, hein, on va pas se mentir. Utilité, il va où ensuite, il fait quoi? Isolation, il reste ici. Va falloir que je le libé, là. Va falloir que je le libé et que je vienne le mettre par là. Hop, tant pis, je prends pas de génération de téléfrag, mais regarde-moi ce petit retrait des familles. Hop. Ensuite, ce que je peux faire éventuellement, c'est bon, je vais mettre du retrait sur les cas, hein, tout simplement. Je vais même pas me casser la tête. Venir prendre le soin ici. Là, le retrait, ils se le prennent à fond. Hop, Eka flip, 1 PA, Sacri 5 PA, bon, parti un peu. Voir sur un focus PA. Ouais, ça crie toujours, hein, je pense. Après, si tu peux aller choper les zones, là, mec, à la joueuse, tu t'éclates. Hein. Pense bien à refaire ton trèfle, on est tour 3. Ouais. N'oublie pas. Et ouais, tu peux 100% y aller. Après, tu peux même limite faire trèfle, éroder les cas aussi. Et taper, hein. Ou... Non, attends, mets déjà tes joueuses avant que tu vas déplacer au craps. Mets tes joueuses. Non, bah vas-y, full rocks. Vas-y, full rocks. Ça sera plus drôle. Hop. Tes deux joueuses, ton craps. Bah, t'aurais pu faire rugissement, ouais. Tant pis. Ça pour plus tard. Ouais, ça aurait été beau de le faire au début, ça t'aurait fait gagner pas mal de rocks, hein, ouais. C'est pas grave. Viens sur le glyphe, viens finir sur le glyphe ici. Hop, voilà, comme ça en plus tu prends le petit soin du... Okay. Ah, tu prends l'émeraude... Ah non, t'as pas d'émeraude là? Non. On a pas mis. Ok, il joue à la perception, il aurait fallu l'éroder. Bon, décidément, c'était un peu loupé tout ça. Ah bah, il fait que ça. Bon. Est-ce que je suis toujours érodé, moi? Là, non. Toi, non. Et moi, non. Ah, j'ai pris 20% d'héros sur Lenny. Ok, je vais me debuff Lenny donc. On va y aller comme ça. Hop. On va faire ça. Y aller au sélectif comme ceci. Ensuite, je vais stimuler le lapin parce qu'on prend beaucoup de dégâts et un lapin stimulé. Oh, cela dit, il a presque plus de points de vie, c'était peut-être pas très malin. Tant pis. Et je me debuff sur Lenny pour enlever les héros et en plus la flèche tyrannique que j'ai prise. C'est quand même pas si mal. Sacri 4 PA. Je tape. Ouais, ils y vont à la flèche tyrannique. Hein. C'est comme ce que je me suis pris sur le colis il y a pas longtemps. Là, ça picote. Hein. Alors. Il va falloir que je ramène tout ça, moi. Hein. Ekaflip, il était où? Il revient là. Je vais pas lâcher le rollback tout de suite. On va y aller comme ça. Ensuite, merde, il va falloir que je me trouve un moyen de me ramener. On va faire un chaff. Hop. Bah, c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou, mais on fait ce qu'on peut. Et bon, le Xel, il est un petit peu exposé. Bon, il a pas pris trop cher pour l'instant. C'est correct. Le Sacri prend pas mal de retrait. En revanche, là, l'Eka, il va pouvoir taper. J'aurais peut-être mieux fait de concentrer le focus sur l'Eka. Bon, cela dit... Pour l'air sur le Sacri... Ouais, il faut que tu rerodes le Sacri. Bah, sur toi. Mec, les cras, la tyrannique, là, c'est bon, c'est la nouvelle mode. Vas-y, tu peux corollaire. Tu peux également mettre après un Krabs sur les cas pour te détacler. Bah, mets déjà le corollaire de toute façon.
D'accord. Mais non, tu peux faire Krabs, hein. Krabs, de toute façon, il prend les dommages à distance, comme ça, tu te... Non, non, sur les cas. Bah après, tu vas dans le mur et après, tu vas taper le sacré. Bon, tu te prends les dégâts, mais c'est pas grave, vas-y, plie-le, plie-le, plie-le. Ah, mais fallait faire un bluff avant, mec. Ouais. Mets-le sur les cas, mais. Fallait faire un bluff avant et ne pas te caler contre les cas, parce que du coup, là, t'es en dommage mêlé contre lui. Ouais. Pas bête. Et là, tu prends cher. Tu prends cher, mais t'es pas érodé, hein, donc ça va. Et la flèche tyrannique, mec, bon, on va pas se mentir, je vais me faire un cran en flèche tyrannique. Exactement. Hein. Alors. Oh, ça fait tellement mal. Ça va être terminé, là. Oh, putain, c'est close, hein. C'est close. Bon, heureusement, le sacré a pris le retrait. Et là, le cran, il me fait bader avec son. Il fait bader avec ses histoires, hein. Hop. On va aller là-dessus. Le Xel, est-ce qu'il est toujours stimulé? Et où mon Xel, il est pas mort? Non, il est là. Ok. Pas comme ça. Hop. On va faire un mode solidarité. Un mode prêve. Et double sélectif. Voilà, j'ai pas mis full soin. Mais et le lapin vient t'en mettre une petite couche, c'est pas mal. Il faut quand même qu'on tape le sacré aussi, sinon on s'en sortira jamais, mais il est tellement solide en vrai. Pas évident. Cette PA, bon le Xel va pouvoir faire une momif, et là je vais légumiser tout le monde, hein, Kra et K, parce qu'il commence à me saouler. Mais franchement, les dégâts à la tyrannie du Kra... Et c'est des trucs, c'est dans le jeu, tu sais pas pourquoi, c'est... Tu te fais chier à te faire des stuff full res au petit et tout, puis là t'as un truc qui arrive, allez hop, ça passe au travers. Je t'éclate. C'est un peu comme les deux poux, hein, moi je trouve que c'est trop, mais bon. Ouais, ça c'est mon avis perso. Je vais pouvoir ramener le cadran avec une petite gélure. Il fait quoi? Hostilité. Désolation. Ok, il reste là. Alors la gélure là, très importante. Oh putain, ça me saoule là comment ils sont placés. Ok, je peux faire ça. Faut vite que je joue là. Hein. Hop. Oh, j'ai eu le temps de finir mon tour, mec, incroyable. Je suis en mode clic panique. Clic panique. Ok, les K il est encore à 1 PA. Le Kra il est à 7 PA. Bon, c'est 7 de trop, j'ai envie de dire, mais bon. Je pense pas qu'il termine comme ça. Est-ce que t'as le rugissement là? Ouais. T'as le rugissement. Pense bien à te refaire ton trèfle et ta roue de la fortune. Ouais, comment il est pour ça. Si tu peux faire un chaton qui soigne, ça peut peut-être être avant-plan. On va voir. Mais il faut quand même mieux que tu pètes le sacré. Hein. Fais-toi trèfle, roue de la fortune, et là tu peux y aller au crabe, c'est à la griffe joueuse, t'as une belle zone et tu seras en... Vas-y, roue de la fortune. T'as quoi, t'as 13? Non, bah alors là, fais deux... T'as 13, ça te fait deux griffes joueuses et un crabe, vas-y. Mets d'abord les griffes joueuses et après le crabe. Voilà. Hop, et le crabe. Si tu peux ne pas te mettre de deux pouces, ce sera peut-être mieux. Non, bon, tant pis, là du coup tu prends la tyrannique. Mais vas-y, reste là, les gars, il a 0 PA, mec. Il va rien faire. Il est complètement mort, il a 1 PA avec l'abyssal. Bon, le sacri, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir le finir, ça m'inquiète un petit peu, mais il a fait quoi? Il vient me tacler. Ça sert à rien de tacler un ennemi comme ça, parce qu'il me donne 1 PA juste avec l'abyssal et j'en perds 1 pour le détacler. ça va, je m'en sors pas trop mal. T'as toujours la tyrannique. Est-ce que t'as des boosts qui vaudraient mieux que je te débuffe pas? Je vais quand même te la débuffe, mec, hein, parce que sinon, ça ouais. Peut être trop dangereux. Hop. Je vais te soigner, hein. Ah vas-y, fais-moi survivre. Là, il faut clairement pas que tu crèves, toi. Est-ce que je mets quand même un coup de corrompu sur le sacré? Ouais, il faut qu'on le tombe. Hop. Prends quand même des petits dégâts, il prend le retrait en plus, ça c'est une bonne chose. 3 PA. Je viens ici, ça te protège bon, pas vraiment, parce qu'il peut me contourner sans problème. Lapin, 40 000 PA, il te fait 3 fois son sort, c'est nickel. Énorme le lapin, hein, 86 PV. Ah mec, il est là depuis le début, il va rien lâcher. Hein. Ah, là, il m'a mis un peu au fond par contre. Okay. Heureusement, je suis un mec plein de ressources. Hop. Lui, il est pas en pesanteur. Hein. Et ça fait la différence. Hop, là, je peux aller chercher le retrait en zone comme ça. Je vais même peut-être mettre un petit contre. S'il le voit pas et qu'il nous tape au cas que ça peut leur faire des surprises. Après, là, le cra, il est full... Je vais lui mettre du retrait comme ça. Ok. Je pense que comme ça, c'est pas trop mal. Ok.
Là, nous, on a le boost. Il y a quand même pas mal de retraits qui a été placé en face. Le crabe, bon, il a 9 PA quand même. Hein. Il a une belle ligne sur toi, mais là, du coup, je t'ai débuffé la tyrannique. Donc, il faut qu'il te la remette. Il fait. Oui, voilà. Ah ouais, on est sur un cra de type baguette maléfique. Ça tombe bien, c'est le sacrif qu'on avait focus. Bon, vas-y, bah si tu peux finir le sacrif, on s'en... Est-ce que tu as le rugissement? Vas-y, go rugissement. Fais un craps sur toi, sur lui ou sur... Ouais, comme ça, vas-y, nickel. Et là, tu le termines. Vas-y, au bluff peut-être, et tu finiras avec du tout rien si t'as besoin. Tu le termines large, non? Ouais. Pas même... Mais même pas le tout rien du coup. Ah oh, si, vas-y, tout rien sur les cas. Mais ça, t'as encore un bluff à lui caler, non? Comme je joue au pad, j'ai pas de... Il joue au pad à côté quand même, hein. J'ai pas le temps. C'est... Et tu devrais jouer Xel. Joue Xel au pad, tu vas voir. Ça va être assez folklorique. Entre chat, du coup, perso... Hey, il se soigne quand même sacrément bien. On a dit quoi au début du combat? Pas besoin d'éroder les cas. Bon. Il y a du maléfice, qu'il y a du soin, on va peut-être, peut-être changer d'idée là-dessus. Hop, puis le super chaton là. Bon, ça va le faire. Hop. Hop, toi, est-ce que t'as besoin de soin? En vrai, ça va. Bien, hein. En vrai, ils nous ont mis des énormes dégâts, mais ils ont pas érodé. Donc, bah ouais, À partir de là, pas de panique. Hein. Y a pas de panique. Hop. Je vais péter son chaton, hein. Je vais pas me casser la tête. Hop. Je vais peut-être me mettre là. Ouais. Ah, attends, il faut que je regarde un truc là, c'est que. Il y a le crack qui joue. Il y a le crack qui joue. Et que je vais me mettre là. Hop. Je suis encore en potenteur avec le Xel, même après la mort du sacré. Attends, c'est. Non, bug d'affichage peut-être. Le sacré ici. Enfin, les cas. Les cas, je le mets là. Mec, regarde ce petit move. Rêvez. Regarde ce petit move. Hop. Hop. Est-ce qu'on n'est pas sur du skill Xelor de type intergalactique là? Je garde après, je peux faire ça. Hop. Faire ça. Ça. Et ça. Et une petite fuite. Ah. Et bon, ils sont pas dans la zone du cadran, j'aurais pu m'arranger pour ramener le cadran, ça aurait été mieux. Mais on a quand même un retrait de type conséquent qui est passé. Là, il y a 2 PA sur le cra. Il pousse et bah, il fait que ça. Donc c'est nickel. Là ça vaut le coup de lâcher un entrechat, je pense. Hein. Ou non, même pas en fait. Là vas-y à fond. Oh, pense à ton trèfle. Pense à ton trèfle, toujours tour impair. Et go Eka à fond hein, si tu peux le terminer là. Oh, tu le finis 1000 fois là. Après t'as bluff et deux joueuses et un bluff. Oh, tu le finis pas, mais c'est pas loin. Hein. C'est pas loin. 500 points de vie, termine là, t'es bien. Ou non, vas-y, finis sur le glyph. Ouais, sur le glyph. Complètement. Hop, je serais même allé sur l'autre à ta place. Ouais. Ouais. Comme ça, il pourra pas trop te recaler dans le mur là. Avec une bête dans son cra. Ça pique, hein. En vrai, leur team était solide quand même. Hein. Le Sacri, mec, Sacri, ça fait bégayer. Hein. Moi, je vais m'en faire un. Je vais leur sortir un truc over Vita à 9000 PV. Il faut nerf ce boost de vitalité là. Il l'avait enlevé du jeu à un moment, mais. Moi, je trouve que c'est too much. Hein. Là, ça va qu'ils avaient pas mis des grosses esquives et tout, qu'on s'en est sorti, mais. Sacri. De sacré à 10 PV hein, quand ils avaient mis des trucs. Ouais, c'est too much. C'est clairement too much. Ok, alors là il s'est mis des petits boubous. Hop, tiens, reprends tes PA toi. Que le kill passe. Non. Bon. Faut dire qu'on est pas très loin. Est-ce que ça vaut la peine que je soigne en vrai? Il a lâché un de ses cris, les gars, en crevant, tu t'entendras sur les recaps. Toi, t'as pas le son, mais moi, je l'ai dans les casques. C'est assez drôle. Ah bah, c'est bien le lapin. Nickel. Il vient de se mettre pile poil là où je voulais aller. Bon. On va donc faire ça comme ça. Hop. Toujours là, le lapin. 86 PV, 3 tours après. Toujours là pour nous briser les couilles aussi, accessoirement. Merde. Hop. 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 En vrai, ça sert à rien de faire l'aiguille, c'était con. Oh. J'ai même pas besoin de lâcher la momif. Y'a que le Xel qui est pas en téléfrag, mais lui, il a tellement rien à faire de ses PA concrètement que. Avec son rock, c'est ridicule.
Il y a la maléfisque, hein. Attention. Je vais me prendre un coup de maléfisque dans mon zèle. C'est clair, on va dire GG. En vrai, belle team quand même en face. Hein. À mon avis, ils doivent emplier des colis, hein, parce que quand tu vois les dégâts qu'il envoie avec la tyrannique sur le Kra et ouais. La solidité du Sacri. Et t'as vu le focus Sacri, c'était pas une mauvaise idée. Hein. Non, si t'arrives à tempo un peu et à gérer le rock sur quelques tours. Bon, par contre, se barrer au bout du monde comme ça en 3v1, c'est utilité discutable. Bon. Ouais. T'as moyen de me le ramener avec un. Non, t'as pas trop de moyen de me le ramener. De toute façon, je connais pas encore mes sorts. Donc... Ah, ça règle le problème. Et ça passe pas son tour, mec, franchement. Franchement. On est sur ce genre de joueur. Allez, vas-y, rush-le. Limite. Ouais, non, c'est même pas la peine d'Odora. Ouais, tu peux limite Odora. Hein. Ouais, vas-y, prends tout. Moi, s'il veut jouer casse-cou, je le foutre à 0 PA, mais en vrai, c'est débile. À ce stade-là. Eh, mec, le craps sur l'ivoire, je me suis dit, je te le dis, je te le dis pas. Bon, yeah, c'est dommage. Bon, je vais après, chercher hein. La petite lutte de vue par là. Hop. Ah bah bien la fuite. Mec, mes fuites elles me mettent toujours au fond. C'est aussi simple que ça. Tu utilises Craps pour enlever l'ivoire. Ouais. C'est ouais, mais... ta gueule. En 3v1, Ça se fout de ta gueule. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est bon. Ta gueule, mais bon, on a gagné. Mais ouais, c'est vrai que. Ça serait. C'est malin, mais. Évidemment. Ouais. Bon, c'est le genre de comportement qu'on croit souvent, malheureusement. Ouais, ouais, moi j'ai l'habitude, hein, franchement. Vous savez ce que je me prends des fois. 8 PA. Allez, t'as raison. Pars-toi. Il pique en vrai, hein. il fait vachement mal. Hein. Vas-y, déloque l'ivoire avec une flamiche comme ça. Non, ça non, bah toi, je le refais à... Tu vas aller faire ton craps. Je le refais au craps. Ah, le gros troll que t'es. Je le refais au craps. C'est bien, hein, toi, passe pas ton. Je propose que plus personne ne passe ses tours, on va se prendre un café et on revient, on finit le colis. Ah ouais, on arrive. On... Allez, on part là-dessus. Alors. Oh la shit. Bah, craps. Alors, ça fait quoi d'avoir des UPA tout le combat? Bah, c'est sympa. C'est sympa. Ah merde, j'utilise. Ça marche. Ah mince! Ah putain! Ah, allez, vas-y, arrête de faire le con. Termine-le, qu'on passe à autre chose. Tac. Hop! Hop, voilà, bien joué! Nickel! Bah voilà, c'était... en vrai, c'était sympa comme combat. Non, c'était cool. Plutôt équilibré et tout. C'était... On n'aura pas roulé dessus. Peu quand même! Mais... bon, bah on s'en fera d'autres des colis comme ça. Ouais, hein, soucis, sympa, hein, ouais. Je pense que vous allez le voir pas mal, Gulou là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Nous, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos où d'ici là, tu auras appris à jouer ton deck à flip. Je pense, on ouais. peut dire ça. J'aurai d'autres, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.